Un Togolais ou un Béninois que je suis a aussi fait pareil. Non, un Ivoirien a aussi fait pareil. Et il y a aussi un Gabonais qui a aussi repris la vidéo que j'ai mise là. C'est parce que c'est moi qui l'a filmé comme ça en haut. C'est ma soeur qui me l'a envoyé. J'ai vu qu'un Gabonais aussi a publié cela. Vous m'avez dit ici, les spécialistes, qu'il n'y a aucun vaccin, y compris les Africains. Bon, moi, moi c'est comme ça quand quelque chose me dépasse. Donc, comme moi, je ne comprends pas le français, on va lire le tweet de Macron ici. Vous voyez? Vous pouvez aller sur mon mur, hein, je vais le publier. Hein. On va lire le tweet de Macron. Quand ça sort de ma grosse bouche, puisque là, je suis folle, avec mes cheveux folles, avec ma tête qui ne ressemble à rien, lorsque ça sort de ma pensée, que moi, je viens saisir la sensibilité des présidents africains, vous les noirs attardés là, les noirs, les attardés, les idiots qui partent à l'école que pour venir parler Molière, vous êtes venus verser votre langue là sur ma publication de plus de 1600 partages. Oh, que quoi, oh, je suis bête, oh, je suis idiote, oh, les présidents français, ils n'ont pas que ça à faire, à s'occuper de l'Afrique, on voit les complots partout. Voici Macron ici, il dit quoi? On va lire son tweet, hein. Réunion aujourd'hui avec les dirigeants du G20 pour combattre l'épidémie du COVID-19 qui s'étend dans le monde entier. Nous agissons avec collaboration et solidarité. Point. Nous allons lancer une initiative forte en soutien à l'Afrique face au virus. Il n'y a même pas deux jours. Il n'y a même pas deux jours. Vous êtes venus m'insulter ici. Je dis bien, il n'y a même pas deux jours. La différence entre vous et moi, c'est que je suis une leader de l'opinion. Ce que je dis, les gens accordent de l'importance. Dites-moi, vous avez dit que Macron n'a rien à faire avec les Africains, il doit d'abord sauver la France. Dites-moi comment quelqu'un qui doit d'abord sauver la France. Il y a plus de 2000 morts en France. Il y a plus de 2000 morts en France. Comment Macron va laisser les 2000 morts en France pour aller soutenir une forte soutien ou forte initiative. Comment il va aller soutenir l'Afrique avec force? Avec force pour combattre l'épidémie. Même si vous êtes des intellectuels, même si vous partez à l'école seulement pour venir parler le français, venez m'interpréter cela. L'Italie a plus de 5000 morts. La France a 2000 morts. L'Afrique aujourd'hui, si on veut comptabiliser, on n'arrive même pas à 100 morts. Comment le continent qui n'arrive pas à 100 morts, eux qui n'arrivent pas à gérer, ils n'ont plus de masques, ils n'ont plus de gangs, ils n'ont plus de services, les hôpitaux sont bondés. Comment eux qui n'arrivent pas à gérer cette maladie-là, ils vont quitter dans leur pays, ils vont d'abord quitter l'Europe pour aller donner forte attends, je vais dire le bon français, pardon. Après, comme vous êtes mes professeurs ici, vous allez encore venir dire que non, on ne dit pas là, le. Nous allons lancer une forte initiation. Donc là, c'est quoi? Là, ils n'ont pas parlé, ils n'ont pas dit que non, nous allons envoyer les comprimés. Ils n'ont pas dit que comme vous êtes plus intelligents que moi, ils n'ont pas dit que nous allons envoyer les comprimés en Afrique pour soigner les Africains atteints. Ils n'ont pas dit que nous allons envoyer les paracétamol. Anaba, forte en soutien là, forte initiation en soutien des pays africains qui sont atteints. Donc Macron a oublié que la France est plus atteinte. Macron a oublié que au Gabon, j'ai qu'un seul mort. Que lui, il a 2000 morts. Comment il va laisser ces 2000 morts pour aller me donner fort soutien? Vous, les intellectuels africains, pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi l'Africain est comme ça? Vous voyez le bien dans tout ce que le blanc fait. On vient vous interpeller. Il n'y a même pas deux jours. Mon poste a fait plus de 1700 partage de mon petit être vivant dans ma résistance là. C'est un des premiers de mes posts qui va aussi loin. Et lorsque j'ai fait le post là, il y a une autre blanche. Ça veut dire qu'hormis la dernière là, une autre blanche qui a aussi fait le live, le direct, qui a parlé de vaccins. Il y a déjà trois personnes européennes qui ont parlé de vaccins. Mais moi, vous êtes venu m'insulter ici jusqu'à faire les débats que je ne suis pas docteur, que je suis en Europe. Que je suis en Europe, tu fais quoi en Europe? Pourquoi tu parles mal d'Europe alors que tu es dans leur pays? Où est le rapport? Parce que je suis en Europe, je dois fermer la bouche, l'Europe doit aller tuer les Africains. Pourquoi tu parles de l'Europe? Pourquoi tu parles de la France alors que tu bénéficies de leur système? Niambié, niambié, l'Afrique, pourquoi on est comme ça?
Pourquoi les Africains sont comme ça? Ça, ce n'est pas le moment de tirer les oreilles des présidents africains. De tirer l'attention des présidents africains. J'ai bien dit qu'il soit vrai ou faux. Tirer les oreilles des présidents africains. On n'a pas assez de morts pour que la France puisse dire aujourd'hui qu'ils vont lancer, une initiation forte. Ils vont lancer une initiation forte. Mes amis, là, je n'ai pas inventé. Là, c'est maintenant le tweet de Macron le 26. Ça veut dire que hier, Macron a dit hier qu'ils vont lancer une initiation forte pour que la fille puisse combattre le coronavirus. Dites-moi, entre nous, Africains, on se compte d'abord à 1 mort, 2 morts, 4 morts, 5 morts par pays, et eux qui vont bientôt atteindre 20 000 morts là. Qui a besoin de soutien fort? On vient vous dire ça ici. Voilà, vous êtes monté, vous êtes descendu, vous allez en enfer, au paradis. Un moment, je ne vous répondais même plus parce que quand je suis étouffé, quand je suis étouffé de la colère, moi je suis très nerveux, je suis capable de me mutiler. Donc à un moment donné, je vous lisais, je ne parlais plus. Parce que je pouvais prendre le couteau comme ça, je me casse. Et quand les gens ne comprennent pas ce que j'ai envie de dire, je suis capable de me mutiler quand les gens ne me comprennent pas. Je suis capable de me mutiler lorsque les gens ne me comprennent pas. Donc c'est pour ça que j'ai laissé même la page là. Quand je reçois les notifications, je ne lis pas. Parce que si je lis, je vais m'énerver. Donc, venez me répondre maintenant. Vous avez dit, il est où le vaccin? Le vaccin n'existe pas. Le vaccin n'arrive pas. Oh, là, 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 là. Oh, il faut réfléchir. Il faut être pragmatique. Il faut être logique. Il faut être objectif. Ma mamie, il y a africain. N'a pas objectif. N'a pas pragmatique. N'a pas logique. Prévenez vos présidents. À chaque fois qu'ils ont toujours fait des campagnes de vaccins pour l'Afrique, vous pouvez me dire à quel moment l'Europe a interpellé les présidents africains, chers présidents africains, chères populations africaines. Aujourd'hui, nous allons venir faire les vaccins pour la rougeole. Donc, dans la rougeole, là, réunissez-nous tous vos enfants comme ça, et puis on va piquer les enfants la rougeole. Pourquoi est-ce que l'Africain ne soutient jamais à qui est intéressant? Pourquoi vous êtes comme ça? Jusqu'à vous êtes venu m'insulter de Toto. Voilà le Toto, la Toto qui vous a parlé hier. Le président de la Toto est sorti 2 jours plus tard. Le président de la Toto a dit que il va lancer un programme. Parce qu'avec moi et Molière, là, c'est deux choses. Hein. Attendez, je vous amène le bon français. Au moins, je sais lire, même si je ne sais pas parler français. Il a dit quoi? Nous allons lancer une forte initiative. Une fortement initiative à l'Afrique face au virus. Voilà Macron, lui-même, son pays en train de se décimer. Il ne cherche pas une forte initiative pour arrêter le virus. C'est l'Afrique qu'il a vu qu'il va aller lancer une forte initiative. Il va lancer ça en faisant quoi? Il va envoyer des paracétamol, hein? Il va envoyer des paracétamol en Afrique. C'est quoi l'initiative de Macron ici? Il va envoyer le paracétamol. Ou bien lui aussi va faire le don comme le chinois là. Il va et les masques. Parce que la forte initiative que Macron veut envoyer en Afrique, la Bangueja, bah dites-moi ici, hein, vous qui êtes dans le collimateur, comme on appelle, on dit ça comme à les gens de Molière. Vous qui êtes dans le secret avec l'Elysée et l'Institut Pasteur, quelle est la forte initiative que Macron souhaite envoyer en Afrique? Hein? Pouvez-vous une fois dans vos vies des intellectuels parler pour le peuple? Arrêtez de parler avec vos stylos. Arrêtez de parler avec vos cahiers. Pensez un peu, parlez un peu avec le cœur. Voyez le monde avec le cœur et non avec des stylos. Tu te balades avec un gros lit, ton cerveau ne parle plus. Tu es là qu'avec le lit. Il est catégoriquement illogique. Quel illogique? Soyons pragmatiques. La pragmation a son vie. Vaccin Africa. C'est moi qui vais venir être pragmatique. Me devant le laboratoire. Maman a fabriqué COVID-19. Maman a mis pragmatique internet. Donc le jour que les vaccins là vont arriver là-bas, vous allez commencer à voir les enfants africains commencer à mourir. Vous encore les premiers, les idiots incapables de dénoncer une injustice, c'est vous encore derrière vos ordinateurs, on va vous voir à faire des longs posts et des longs écrits. Ouh, une question, l'Afrique, vous êtes content, c'est écrire les livres. Vous gagnez votre vie seulement, écrire les livres pour gagner de l'argent sur le dos des Africains pauvres. Vous là, vous êtes comme avant quand il y avait l'esclavagisme là. Les Africains qui vendaient les autres Africains, c'est vous les intellectuels.
Vous, les intellectuels, vous êtes comme les Africains à l'époque de l'esclavage, juste là, qui vendaient d'autres Africains, c'est vous. Dénoncez la France. Vous, non, oh, voilà les autres qui viennent maintenant voir ma vie privée. Toi-même, tu es en Europe. Toi-même, tu es en Europe. Donc, comme je suis en Europe, là. Ah, oh, pardon. Eh, hey, Niam, yeah. Je jure, vous donnez l'attention aux gens. Vous donnez vraiment l'attention aux gens. Signalons nos pays. Je dis et je confirme. Si Macron m'attrape, il n'y a pas de souci. Vous me mettez en prison, il n'y a pas de... Je serai la folle en prison. Nièce, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, non? J'ai la famille là-bas. J'ai trois frères. J'ai une soeur. J'ai les cousines. J'ai les nièces. J'ai mon père. J'ai ma grand-mère. J'ai encore toute ma famille là-bas. Je suis en Europe qu'avant. Mais toute ma famille est là-bas. Donc, je refuse. Hein? Moi, je refuse. Si vous avez envie de tuer vos parents, ce n'est pas mon problème. Je refuse que le vaccin, que ce soit le vaccin ou le soutien, la forte soutien initiative, un forte soutien que Macron va aller donner aux Africains, je refuse que ça arrive au Gabon. Il a qu'à donner tous vos pays là. Là où vous êtes tous intelligents dans vos pays africains là. Prenez le soutien de Macron là-bas. Comme il ne voit pas les Français qui sont en train de mourir là, c'est en Afrique qu'il va aller balancer son soutien. Son initiative forte pour l'Afrique. Le Chinois même qui vient de canaliser un peu le COVID-19 là, le Chinois n'a pas dit que non, Africa, nous avons une solution, nous avons un peu canalisé un peu la malaria. Nous allons vous amener un peu la solution. Le Chinois n'a pas dit ça. Le Chinois a dit que bon, malgré qu'on a un peu stoppé un peu là, nous on vous amène quand même les gants. Même les Chinois qui ont un peu stabilisé, ils ne viennent pas nous donner forte initiation. C'est la France qui n'a même pas encore stabilisé, qui sont, la courbe ne fait que descendre de mort, de mort. C'est elle qui va laisser ses morts pour aller s'occuper de 50 morts en Afrique. Oh, Niambie. Vous allez me rendre malade dans Facebook ici. Vous allez me rendre malade. Mais heureusement, comme je suis déjà malade, donc toute maladie qui rentre là, meurt seule. Comme moi, je suis malade déjà au début là, toutes les maladies qui s'intègrent dans mon corps là, meurent seule comme ça. Piou, quand tu rentres, tu meurs. Quand tu rentres, tu meurs. Parce que mon esprit ne peut pas cautionner cela. Hein? Il est temps de réveiller les Africains. Il y a l'autre qui m'a dit, ce n'est pas en étant panafricain, en parlant de vos ordinateurs, que vous allez faire du bien à l'Afrique. Mon ami, moi je parle. Si je dis aujourd'hui au peuple gabonais ou au peuple africain qui me suit, peuple africain, faites attention. Si on vous amène les vaccins ou n'importe quel médicament, nous n'avons pas vraiment besoin. Quand je dis nous n'avons pas besoin, ils commencent d'abord chez eux. Lorsqu'on va voir que oh, la Chine, la France, les États-Unis, l'Italie, ils ont essayé un médicament, un remède, et ce remède a été efficace. Voilà, il y a des malades, il y a des guéris, il y a des guéris, on va dire oui, il y a des sauvés, voilà, tout va bien. Voilà, là aussi, nous aussi, on va dire que l'Afrique, comme là-bas, ça a réussi, nous aussi, on peut prendre. Donc, eux, ils n'ont pas réussi. Eux, ils continuent à mourir. Mais c'est chez nous qu'on veut commencer. Et puis, c'est moi que vous venez traiter ici, là, que je suis bête, je suis toto, je suis lent, je suis pas pragmatique. Voilà, Macron a parlé. Vous dites quoi, Macron? Je vais voir les intellectuels venir répondre à Macron là dans le français macronien. Venez le répondre dans le français macronien. Il a dit qu'il va vous amener une forte initiation de soutien. Comme les Français qui sont ici sont des moutons, ils doivent mourir, ils n'ont pas besoin de forte initiation de soutien. C'est les Africains qui sont trente là-bas. Il n'a pas sauvé les Africains qui sont au Koweït. Il ne sauve pas les Africains qui meurent au Liban. Il ne sauve pas les Africains qui meurent dans le monde entier, là, dans l'esclavagisme. Les Africains même qui arrivent dans les bateaux. Ils sont dans les bateaux, ils meurent dans les bateaux. Macron n'envoie pas forte initiative. Au contraire, il ferme même les frontières. Il ferme même que les Africains ne rentrent pas. Il ferme les barrières, comme on appelle. Il ferme tout. Parce qu'ils n'ont pas ils ne veulent pas que l'Afrique rentre en France. Mais subitement comme ça, là, c'est chez nous qu'on va aller commencer forte initiation. Comme notre peuple les intéresse tant. Oui, en fait, nous sommes son peuple. Comme nous, on l'intéresse tant, c'est chez nous vraiment qui doit aller montrer que vraiment, mon peuple africain, je ne veux pas que vous mouriez. Vraiment, les Français, là, ils peuvent mourir, quoi. Moi, je n'ai pas besoin de Français. Mais mon peuple africain, oui, je ne peux pas vous laisser mourir. Donc, comme je ne peux pas vous laisser mourir comme ça, là, je vous amène une forte initiation de soutien. Mais lorsque les Africains viennent par bateau, on leur laisse mourir dans la mer. Lorsque les Africains viennent par nage, on leur laisse mourir dans la mer. L'Italie, tout récemment, là, a refusé qu'un bateau africain accoste dans leurs côtes. Ils ont laissé les Africains mourir dans les côtes de mer d'Europe. Ils n'ont pas vu soutien, initiative, grand soutien, initiative dedans pour soutenir l'Afrique. Ils n'ont pas vu ça. Hein? Ah, comme la maladie, là, leur dépasse, Dieu le dépasse tellement avec la maladie, là.
Voilà, ils viennent là-bas. Et vous, les connards, les fils de malades ici, là, vous, oh, c'est moi qui ne suis pas pragmatique. Je suis bête, je suis toto, je suis tous les noms d'oiseaux. Mais je ne suis pas un être humain qui réfléchit. Jusqu'à... Pourquoi je parle de la France, oh? Je suis moi-même en Europe, là-bas. Je profite du bonheur de la France. Et puis, je parle derrière mon ordinateur. Bande des idiots et des idiotes. Hein? Expliquez-moi comment la France peut-elle lancer une initiative forte en soutien des pays africains pour le COVID-19, le tweet la date d'hier, alors que cette même France-là passe des années à mettre des politiques en place pour lutter contre l'immigration, pour renvoyer les Africains, pour laisser les Africains mourir aux côtes des mers. Laissant les Africains se faire tuer dans leur mer, là, les côtes, là. Et lorsqu'on les amène dans leur ville, là, on les bat là-bas. Ils sont maltraités là-bas. La même France, même lorsque tu es dans le territoire français, on te maltraite comme un chien. Pourquoi la France, même qui a les Africains dans son propre continent, là, où on les tue, le petit machin qu'on va te mettre les macrates au cul. On te tue gratuitement, la France ne fait rien. Mais, par miracle, il va envoyer un soutien indéfini international. Il va laisser les Français qui meurent 2000. Bande d'idiots. Bande de fous. Vous êtes des fous. Vous vous baladez avec des stylos à la main. Bande de fous. Vous êtes une honte pour l'Afrique. Toutes les personnes, vous allez se reconnaître, vous allez lire mon live là. Toutes les personnes qui sont venues, que je suis une folle, je suis une menteuse, je raconte des conneries, tu ne dis rien, il faut au moins réfléchir, ayez moins la décence de vos propos. C'est moi qui vais avoir la décence de mes propos. Allez-y demander à Macron d'avoir la décence de ses propos. Toutes les personnes qui ont été ou qui m'ont mal parlé sur mon poste là. Vous êtes des maudits. Vous êtes des indignes fils africains, les indignes filles africaines. Vous êtes des malades. Vous êtes des esclaves encore, esclavagistes. Vous êtes encore esclaves. Esclaves du blanc. Je suis en Europe, il n'y a pas de souci. Mais je ne suis pas esclave du blanc. Voilà. Si que j'ai envie de dire le blanc, ouha, même si je suis dans sa maison, il dit ouha. Même si je me mets dehors, il n'y a pas de souci dehors, je vais continuer à crier. Je ne suis pas l'esclave de quelqu'un. Je suis libre de dire ce que je dis, de dire ce que je pense. Et quand je vois que c'est mal, j'ai le droit de le dire. Que je sois africaine ou blanche, je suis un être humain. Je suis un être libre. Et en tant que libre, j'ai reçu ma liberté. Mes aïeux ont combattu pour que je sois libre. Mes aïeux ont combattu pour que je sois libre. Donc en étant libre là, j'ai le droit de parler, de dire ce que je veux dire dans le monde entier. Si ça aurait été Trump, je l'aurais dit mes vérités. Parce que je suis un être libre par rapport à vous. Vous avez tellement à étudier là. En fait, c'est pour ça d'Europe, vous partez à l'école de blanc. Mais pour moi aussi, je suis parti là-bas. C'est pour ça que vous êtes tellement intelligent, parce que vous êtes des esclaves. La preuve, aujourd'hui l'Afrique est dirigée par qui? Par des idiots. Par des idiots, un Ali Bongo, idiot, jamais allé à l'école, il dirige les gens avec son bâtard de père qui est mort avant, il n'a jamais mis pied à l'école. Voilà, la France ne peut que mettre des idiots dans nos pays, il ne peut pas mettre des gens qui réfléchissent avec le cœur. Les gens qui réfléchissent avec le cœur, on va d'abord penser pour le cœur, on va d'abord penser pour notre nation. Oui, si un bon jour dans la folie que moi je me présente, même si j'avais tous les atouts, ils ne me prendront jamais. Parce que ça que moi je vais agir, je vais voir le monde, je vais voir l'avenir de mon pays avec mon cœur. Et non avec le stylo, le faux stylo qu'on vous donne d'aller écrire, vous venez me griffonner mon français là que non. Hein. Oh, moi Claire Newman, où je suis là, je suis Toto. Je suis Toto. Hein? Vous avez fait les longs points jusqu'à je ne dors plus les notifications. Je ne dors plus. Plus de 400 commentaires. Je ne dors plus. Je ne fais que vous lire. C'est comment? C'est pas fini vos débats? C'est pas fini vos débats d'intellectuels? Allez-y, j'ai envie de vous voir. Allez faire les débats chez Macron là-bas. Montez. Allez-y dans son tweet là-bas. Je vais vous voir tous les Africains là. Je vais vous donner les noms ici là. Allez-y, montez là-bas. Si je peux lire tous vos messages là. Allez-y dire à Macron là-bas que laisse l'Afrique. Commence par la France. Hmm? Ils ont commencé avec le franc CFA là. Oh, on n'est plus le franc CFA. On est maintenant Ngaba Sebadada. Yo, je ne sais même plus comment on appelle leur argent bizarre qu'ils nous ont amené. Bizarre là. Bizarre là. Echo. Vous là, pareil. Vous avez dit, vous ne pouvez pas lutter le franc CFA. Oh, ça va pas. Toujours les intellectuels. Vous êtes comme ça. Vous parlez en désordre. Vous les intellectuels là. Vous méritez même la pendaison. Avant d'enlever même les présidents, on commence par vous enlever. Les gens qui réfléchissent trop avec des stylos me fatiguent. Les gens qui réfléchissent trop avec les lois. Oh, mais la loi ne dit pas ça. La loi provoque. La loi, quelle loi?
Nous sommes dans un monde dirigé par la loi ou bien nous sommes dans un monde dirigé par les hommes? Tu es un homme, non? La loi là a été écrite par qui? C'est pas avec comme des individus comme vous et moi là. Vous pensez que c'est Moïse qui est parti au ciel aussi, allait monter là-bas, il a commencé à écrire la loi et puis il a donné ça dans chaque pays? C'est pas des énergumènes comme nous qui avons écrit cette loi là et qui impose ça aux pays faibles. Et c'est le suprême, c'est les pays, c'est les hautes autorités. Nous, c'est les Mandjango. C'est à cause de ça. Moi, je suis un être libre. Je ne suis pas l'esclave de quelqu'un. Même si demain, ils sont en train de parler là, il y a des avions ou des militaires qui viennent de m'attraper, je mourrai libre. Voilà. Je mourrai la main comme ça en l'air. Je vais continuer à leur dire, stop, touche pas à mon Afrique. Moi, je suis quand je mourrai. Débarquez là, il n'y a pas de souci. Ah, you speak here, comme je ne parle pas anglais là. You speak here, COVID-19 là. Yes. We come, you die you. It is no problem, die me. Die me, I am Africa, I am free people. Die me, no problem. Je vais dire ça. Die me. You die me, my daughter come. My daughter speak for me. Die me, no problem. Vous là, c'est vous tous là, qu'on commence à vous poursuivre, vous commencez à trembler. Je ressemble à quelqu'un qui va trembler devant l'impérialisme. Moi, j'ai peur de l'impérialisme. J'ai peur de l'impérialisme. Parce que je suis chez eux. Est-ce que je suis ici là, il me rend un service? Il me rend un service? Ou bien je récupère un peu ce qui a été pris par chez mes aïeux là-bas? Il me rend un service ici? Hein? Je bénéficie de quoi? Qui me rend service ici? J'habite gratuit? Ah, vraiment les gens, chez eux, ils ne sont pas chez moi. Les blancs ne sont pas chez moi en Afrique. Donc c'est chez moi comme je suis ici, je reste à boule fermée. Dites-moi un peu. Vous qui m'avez dit que non, regarde-moi l'autre qui parle, pourtant tu es en Europe, tu es chez eux là-bas. Donc comme je suis chez eux là-bas, ils ne sont pas chez moi. Et ils ne sont pas au Gabon. Les lunettes là sont un peu tordues. Ils ne sont pas au Gabon, hein. Moi, je dois fermer la bouche parce que je suis chez eux, je suis esclave, je suis nègre. Oh, je fais partie des nègres à l'époque de l'esclavagisme là. Peut-être qu'il y avait mon aïeux dedans aussi. Il s'est régénéré dans mon corps là. Je fais partie des nègres rebelles. Yeah, je suis fait partie des nègres rebelles. C'est-à-dire que le maître est devant moi avec l'âme. Il a dit que quel mi, il n'y a pas de souci. Moi, je suis nègre rebelle. N'importe quoi. Donc, comme si là où je suis là, la France me nourrit gratuit. Ce sont eux qui payent ma maison, qui payent mes allocations, je dis même l'allocation, mes crédits, ils me nourrissent gratuit. Donc, je dois fermer la bouche parce que je suis assisté. Je suis assisté. Je paye les impôts. Je paye les impôts qui sont encore retirés dans mon pays. Regarde-moi les idiots comme ça, la bande de tarés. Donc, monsieur Macron, gardez votre aide. L'Afrique n'a pas besoin de votre aide pour le moment. Hein? Voilà. Nous ne voulons pas. Nous ne voulons pas de votre aide en ce moment-là. Commence déjà à sauver les Français. Commence à nous sauver. Nous-mêmes qui sommes ici en France, là, commence à nous sauver. On est là une semaine, on ne bouge pas. On ne fait que rôder dans les mêmes pièces. Tu as déjà tourné toutes les pièces là. En fait, tu fais même le ménage fatigué. La maison, tu as nettoyé hier, tu recommences encore aujourd'hui. Tu nettoies, tu fais les ménages tous les jours. Pour quelqu'un qui n'aimait pas travailler, tu es maintenant là, tu travailles. Commencez déjà pour nous débloquer de cette situation de travaillement à la maison depuis 2 semaines là. Et puis, vous avez encore prolongé pour 2 semaines. Avant d'aller sauver les petits Africains, commencez déjà à libérer nous ici. Commencez à nous libérer. Dis-vous loi. Donc, toi, tu commences pas à nous libérer ici. Nous qui sommes déjà ici en France. Tu vas traverser les frontières. Aller en Afrique. Ha! C'est pas forcément le confinement là. Vraiment nous dépasse. Hein? Si lui-même là-bas, c'est pas le confinement qui lui dérange. Je ne sais pas. La personne qui dit bouger là. Tu dis bouger à qui? Le brandlé Roberto là. Tu dis bouger à qui? Tu es un avatar, hein? J'espère que tu ne dis pas bouger à moi où tu me vois assis là. Mon ami, je te récupère aller-retour et je te bloque. Tu comprends, non? On est en 2020 ici là. Wanyardi, tu n'as bougé. Tu n'as pas vu que tu es mon direct? Donc, je suis dans ma connexion. Avec mon téléphone. Ah ouais, ah ouais, ah ouais. Acheté avec mon propre argent et derrière mon drapeau. Dans mon canapé. Tu viens me dire de bouger. Je bouge quoi? Je fais que je saute par la fenêtre. Je bouge pour aller où? Je suis dans ma maison. On a dit qu'on ne doit plus sortir. Je vais bouger pour aller où? On ne doit plus sortir. Quand toi tu me dis que je bouge pour aller où? C'est pas toi qui dois directement cliquer sur le bouton sortir du live. Toi tu rentres dans la maison de quelqu'un, tu dis à quelqu'un que bouger. Oh quoi? Non, le monde est dehors, les gars. Il fait chaud, j'ai ouvert un peu la fenêtre. Le monde est dehors.
est compliqué. Non, le noir est compliqué. Le noir est un spécimen vraiment compliqué. On ne peut pas vous comprendre. Sensibilisons nos populations. Sensibilisons notre nation, notre continent. C'est nous, nous sommes l'avenir de l'Afrique. Bien que nous soyons ici en Europe, ne veut pas forcément dire que beaucoup d'entre nous veulent mourir ici, non? Ou bien, c'est comme ici, il y a les Européens qui sont, il y a beaucoup de Français qui sont ici. Je ne vois pas les Anglais disent aux Français, vous retournez chez vous parce que vous avez tous la même couleur blanche. Les Français immigrent partout. Les Français savent que c'est le bon immigration, c'est le bon immigrant. Le noir, c'est le mauvais immigrant, le français, c'est le bon immigrant. Mais ils sont partout, les immigrants partout. C'est notre immigration là qui est mauvais immigrant. C'est leur immigration qui est immigration de pouvoir. Mon ami, lorsque tu quittes dans ton pays, aller dans notre pays, tu es déjà immigrant. Nous sommes tous les immigrants dans un autre pays, un autre. Parce que le monde aujourd'hui, les frontières sont ouvertes. Nous ne pouvons pas rester enfermés entre nous-mêmes. Nous avons besoin de la diversité des cultures. Mais l'histoire que toi, tu es malade ici, tu ne te soignes pas, tu veux d'abord aller soigner ton voisin. Mon ami, ça passe comment? Tu veux passer par où avec cette maladie-là? Tu veux oublier les Français qui meurent. Nous-mêmes, là-bas, on a le bois sacré. On a les nganga. On a les arbres. On a les koukou. On a le bois sacré là-bas. Si tu tombes malade, là, tu bois le gras. Ma petite soeur m'a envoyé. Elle a amené deux pots de bois sacré. Elle a les gros pots de bois sacré là-bas chez elle. Elle dit qu'elle boit ça tous les jours. Elle boit le bois sacré tous les jours. L'autre, elle est en France. Elle a amené son bois sacré. Hein? Elle boit son bois sacré là-bas. Elle est même où? Elle m'a envoyé les pots de bois sacré là. C'est où? C'est le téléphone. C'est pas ça, hein? Pas le covo, pardon. Bref, elle a son bois sacré quelque part là. Elle doit être dans notre téléphone. Donc nous en Afrique, là où vous vous déplacez, allez chercher les remèdes chez nous. C'est nous qui avons besoin de votre aide. Donc nous on refuse. Hein. Je suis gabonaise, donc française, gabonaise, il n'y a pas de souci. Enlevez même moi-même la francérité. Là, je ne sais pas comment on dit ça. Gredjabi, il n'y a pas de souci, mais je vais continuer à vous dire mes vérités. Hein, parce qu'en tant que citoyenne, j'ai le droit de dire ce que je pense ouvertement. Et je pense que c'est une belle connerie que vous êtes en train de faire à la contre de l'Afrique. C'est n'importe quoi. Vous ne pouvez pas dire que vous allez envoyer une initiative forte. Une forte initiative en Afrique et vous ne pouvez pas déjà trouver les mesures adéquates pour éradiquer le coronavirus en France. Donc tu vas laisser les Français mourir pour s'envoler. Tu as atterri au continent africain. Donc comme je suis enfant africain là et je suis aussi habitante de la France, donc citoyen de la France, on va dire que citoyen du monde, je refuse tout simplement que tu zappes les premiers bénéficiaires pour aller donner aux derniers bénéficiaires. Donc ça ne se fait pas. Donc on commence d'abord aux premiers. Les premiers ici, c'est en Italie, ici c'est la France. Ce sont les premiers. Nous là-bas, nous sommes les derniers de la liste. Sur 100, nous sommes les derniers. On n'a que peut-être 100 morts ou 50 morts. Vous allez bientôt atteindre 30 000. Tu as dépassé là-bas comment? L'échelle là fait comment? Vroom! Et tu arrives chez nous là-bas que tu décides hier que dans le comment on appelle ça? G20. Dans ta réunion de G20. Donc, vous, dans le jeu 20 comme ça, je suppose que vous étiez nombreux parce que c'est toi qui es venu parler. Donc, dans le jeu 20 là, ça dit qu'il y a combien de pays dedans. Vous avez décidé qu'on va aller finir un peu avec les Africains parce que c'est pas possible. C'est pas possible que ce virus-là, on entend autant de morts en Afrique. Et en Italie, on a 5 morts. Hein? La France, on a combien? Donc là, on va décider qu'on va aller envoyer forte initiation en Afrique au soutien. Et puis comme ça, on va les amener dans le virus, dans l'épidémie, dans le vaccin. Et puis nos compatriotes africains vont aller faire la campagne là-bas pour appeler les Africains qui sont de l'Europe dans les maisons que « Venez, la France nous aime, l'Europe nous aime. » Parce que là, ce n'est pas que la France. Hein. Le G20, là, il n'y a pas que la France dedans, il y a beaucoup de pays. La France est venue seulement parler, comme d'autres pays savent que la France est notre maman. D'autres pays, là, savent que la France est notre maman. Donc, ils ont envoyé notre maman, notre mère, notre père, notre géniteur. Que toi, avec tes enfants bâtards africains qui sont incapables de prendre soin d'eux-mêmes, là. Toi, avec tes enfants qui sont incapables de prendre les décisions pour eux, va envoyer un message de soutien à tes idiots d'enfants africains. Voilà, comme ça, il est venu comme ça, là. Il vient aussi dire que nous allons envoyer une forte initiation à l'Afrique. Il a oublié que lui-même, là, tous les hôpitaux sont bondés. Nous, là-bas, même, les gens sont encore chez eux. Il a oublié tous les hôpitaux de chez lui qui sont bondés. Mais il va envoyer ça chez nous, là-bas, à part. Voilà, vous, ici, là, vous venez m'insulter, moi, Claire Newman. Dans mes Kongolo, ici, là, Woko. Je ne suis pas pragmatique, je ne sais pas quel français encore. Vous m'avez balancé ici, là. Moi, je ne connais même pas de fois le gros français que vous me balancez. De fois, quand vous m'insultez avec le gros français, je suis obligé de prendre le dictionnaire pour aller savoir la signification. Hein? N'est pas pragmatique. Pragmatique, viens faire quoi? Faites attention au vaccin. Aïe!
Putain de merde, vous êtes vraiment malade. Pardon, je vais partir, je ne vais pas durer longtemps. J'ai déjà fait combien de minutes là? Allez, fais, j'ai mon live demain. Soyez connectés demain. Au moins, ça, on va gagner l'argent. Demain, je lance un live demain. Comment ouvrir son business en ligne. Avec le confinement là, si vous voulez gagner l'argent en ligne avec le confinement là, vous ouvrez vos petits sites internet. Il n'y a pas de souci. Le confinement là va vous aider à gagner un peu d'argent aussi. Internet là. Dans le confinement, il n'y a plus de magasins. Chacun peut gagner l'argent dedans là. Ouvrez. Voici le bon, le marché ouvert. Donc, soyez demain connectés sur mon live là si ça se passe bien. Si j'arrive à faire le logiciel là. Donc, demain, comme ça, toi aussi, tu peux aller ouvrir une boutique de masques. Tu peux ouvrir une boutique de masques. Comme là, il y a le virus, beaucoup de gens gagnent l'argent dedans. Tu ouvres une boutique de masques en ligne. Beaucoup de gens vont acheter. Les masques, là, je vois ça maintenant, c'est maintenant 20 euros. Alors qu'avant, c'était 1 euro. Tu ouvres une boutique de masques, tu mets même un masque à 20 euros. Tu commences à gagner. Tu peux le masque là chez AliExpress, 1 euro. Donc, demain, soyez connectés pour connaître comment escroquer avec le COVID-19 là. Hein. Voilà. Branlet, faut pas m'énerver, pas de con de ta mère, je vais te bloquer. Tu me connais, lent aussi, lent. Tu es fou, tu veux que t'insulte là. Imbécile, chien, merde, espèce de rien, ton. Bah de con, chien, il lent aussi, lent. Oui, il y a comme un zan, on y a dit de bouger, j'ai dit bouger. Pourquoi tu n'es pas venu avec ton bon profil? Regarde-moi un peureux comme ça là. Tu viens avec avatar, tu n'as même pas honte, tu n'as même pas de couilles. Tu n'as pas assez de couilles pour venir affronter une femme devant toi. Donc je te fais autant peur. Pourquoi tu viens pas à visage nu? Je te fais autant peur pour un avatar, espèce de chien. Il l'enlève aussi, il l'enlève, il me calme, il me calme, il me calme, il soit inu. Il sort, nous, on nous voit. Nous avons un yard, tu nous as bougé, mais le direct, moi, un yard, mais tu nous as bougé, on a connu l'anga. Il y a un yard, on a connu l'anga. Bah, bam, nous, on me calme. Yard, me blague, tu nous bouge, 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 il sort, nous, il l'enlève, il sort. Oh, quoi? On a connu l'anga, l'anga. Pourquoi tu ne viens pas avec ton profil? Tu es là, tu n'arrives pas à me dire que bouge, bouge. Mais tu veux que je bouge, bouge. Je t'ai dit que les rues sont bougées. Les rues sont les rues sont bloquées. Je vais bouger pour aller où? Hein? On t'a dit que tout est fermé, fermé, fermé. Même si je vais prendre le vol pour retourner chez moi en Afrique, je vais prendre quel vol? Tu veux que je bouge pour aller où? Donc il faut me subir. Tu viens là, bouge, bouge. Au lieu d'écouter, tu es là, tu viens dire que bouge, 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 bouge. Je vais bouger. Tu veux que je sorte par la fenêtre, que je meurs? Non, mais oh. On te dit qu'il n'y a plus rien. Même là, les voitures passent, là, c'est les têtus qui passent. Et, les magasins sont fermés. On n'a même plus le droit de sortir. Quand tu veux me dire que je bouge, tu veux me tuer avec le machin, tu dois être un Français. C'est comme ça. Tu veux me tuer. Tu veux me tuer avec COVID-19. Tu me dis bouge. Comme ça, quand je sors dehors, comme ça, là, oui, quand je sors, on ne dit pas sors dehors. Voilà, avant que mes professeurs interviennent. Quand je sors comme ça, je touche au bois là-bas, j'ai COVID-19. Tu me dis que bouge, bouge, bouge. Je ne me calme pas. Faut pas venir m'insulter ici, là. Wesh, wesh, wesh. N'importe quoi. Toi, tu connais pas quelqu'un, tu viens dire à quelqu'un que bouge, 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 bouge. Ça, c'est quel Français, quoi? Tu es un petit Français ou bien? Tu es un petit connard, hein? Tu es un petit idiot là qui se balade, un petit drogué de merde. Tu viens dire à quelqu'un dans son espace, bouge. N'a pas, moussoundou, hein? Moussoundou, dis quoi, t'as ilan? Imbécile. Dis où, tu me connais? On est ici, on te parle de vraies choses. Toi, tu n'arrives pas à me dire de bouger. Tu veux que je saute par la fenêtre? Je vais bouger, aller où? Je suis enfermé dans un 96 mètres carrés. Je vais bouger où? J'ai déjà fait tous les tours de la maison. Même là, le canapé où je suis ici, là, il est en train de maigrir. Le canapé là, le siège là, je suis obligé de mettre le poussin. Le siège maigrit tout. Dès que j'ai fini de dormir sur le canapé, au lit, je m'assois là. Les fesses font mal déjà. Je suis là que toi, en train de diminuer, ça en train de pas. Ça en train de se baisser, mais là, il n'y a plus de gros trucs. Donc là, quand le COVID-19 là, va finir le confinement là, il faut que je change de chaise. Parce que celui-là, même le canapé, il faut changer. Tout en train de se rabattre. Les kilos sont en train de monter. J'ai pris encore 3 kilos. Quand tu vas me dire encore de bouger, je vais partir. Je vais aller dormir aux toilettes. Oh, pardon. Faut me laisser. Je ne le bloque même pas. Parfois, c'est les gens même qui viennent me fatiguer pour rien même. Il dit, c'est bon. Ah, pardon. Roberto, il y a les fous. Il y a quelqu'un qui s'appelle déranger. Il ne faut pas venir déranger encore, mon frère. Donc, je suis parti. Je suis parti. Oh. Moi, je suis parti. Cher peuple africain, oh. Moi, je vous aime beaucoup. Je suis africain. Je suis fier d'être africain. J'appartiens à tous les pays africains. Bon, encore là, on va mettre un peu de restrictions aux pays africains où on maltraite les noirs là-bas. Donc là-bas, c'est un peu difficile de dire que j'appartiens là-bas, sachant que nos parents sont maltraités là-bas. Bon, bref, je suis là en train de vous dire tout simplement aux pays africains noirs, l'Afrique noire, l'Afrique des idiots, l'Afrique des idiots noirs là, les Africains noirs idiots là, bah Ouattara, là-bas Libongo, là-bas Sassou Nguesso, et c'est plus Sassou Nguesso, le nouveau président s'appelle comment? Il a le nom bizarre que je n'arrive pas à prononcer. Bref,
Non, c'est Kabila. Hein. Il a le nom bizarre, je n'arrive pas à prononcer là. Tous les présidents, les 14 pays des rats là. Les 14 présidents rats. Voilà, les 14 présidents rats. Je vais vous appeler comme ça. Vous êtes des rats parce que c'est les pays qui n'ont rien qui vous dirigent. Les pays qui n'ont même pas le quart de vos richesses vous dirigent. Donc les rats là, les rats présidents là, je vous interpelle encore une nouvelle fois. Ne prenez pas le risque ou ne faites même pas un peu. Aïe, aïe, aïe. L'erreur. Je dis bien l'erreur de dire qu'on va vacciner ou bien on va donner quel médicament hein, aux Africains. Je vais essayer de regarder avec vous les statistiques. On va regarder les statistiques de morts ensemble. On va voir comment la France va laisser ses morts pour arriver chez nous là-bas. Hein? Attends. Hey, ok, Google, c'est avec le téléphone là. On va taper ici statistiques. Statistiquement. Statistiques. COVID-19. Voilà, on va voir les statistiques. Hein? Après, on part. On va voir. On va voir les statistiques comme ça là. Là, ça, il y a 5 heures. Donc, il y a 5 heures, les statistiques. Il faut que je tape les statistiques mondiaux. Ça, c'est la France. Le 27 mars, aujourd'hui, la France a combien? COVID-19. Il y a 1995 morts. 1995 morts. Ça, c'est un rapport d'aujourd'hui à 19h45. France, soit 15 732 hospitalisés, 3 787 en réanimation et 5 000 guérisons. Donc, il faut m'expliquer, vous voyez, ils n'ont même pas réussi à guérir la moitié. Il y a 32 000 cas. Donc, vous voyez que le taux de réussite est largement loin d'atteindre les objectifs. Il y a 32 000 cas, il n'y a que 5 000 personnes qui ont été guéries. Comme Macron m'explique, 32 moins 5 000, il reste combien? Il reste dans le 20, combien de personnes encore infectées? Il va laisser ces 25 000 personnes françaises infectées. Pour aller nous au Gabon là-bas, on a peut-être 7 cas. Donc tu vas laisser 27 âmes pour aller s'occuper de 7 cas gabonais. Peut-être en Côte d'Ivoire là-bas aussi, il y a peut-être 10 ou 15 cas. Ou au Burkina Faso, il y a peut-être 10 cas. Mais tu vas laisser tes 32 000 cas là pour nous. Mon ami, tu as menti. Il faut garder ça. Il faut d'abord nous délivrer ici avant d'aller nous délivrer. Je suis pas aidant. Macron, délivre-nous d'abord ici. Je vais maintenant faire mondialement combien nous on fait. N'importe quoi. Et puis c'est vous qui venez me dire ici là que je dois parler pragmatique ou je dois parler avec intelligence. Comme si c'est l'intelligence qui est en train de nous tuer là. C'est pas c'est un microbe qui est en train de tuer. C'est l'intelligence artificielle qui est en train de vous tuer. Bande d'idiots africains. Venez encore me provoquer et cela, je vais continuer à vous insulter. Ouah, tous les jours. Moi, j'ai un dos solide pour vous supporter les gens. Hein. Attendez, je cherche, non? Voilà, coronavirus mondial. Je vais chercher comme ça. Je vais voir en Afrique combien on fait. Avant de vouloir aller nous donner une aide, comme on appelle ça. Non mais on va vous pas payer là. Moi je n'aime pas lire les courbes. Oh. La Chine. Ma mamie, les courbes là sont élevées. Ça c'est les choses que je n'aimais pas à l'école là-bas. C'est à cause de ça les gens m'insultent ici que je ne suis pas pragmatique, n'est pas intelligence, n'est pas logique. On va être logique avec un virus qui décime les gens et les gens font le complot qu'on va tuer les gens. Pourquoi l'Afrique n'est pas atteinte? Pourquoi l'Afrique n'est pas atteinte? Et puis vous voulez faire machin. Hein? Pourquoi l'Afrique n'est pas atteinte? Il faut qu'on envoie un soutien massif à l'Afrique. Voilà, c'est là. Je prends le stylo, hein. C'est là. Là, c'est mondial. Pourquoi l'Afrique n'est pas atteinte? Donc, les stats d'aujourd'hui, 27. Voilà, pourquoi vous ne venez pas encore me dire que actualise tes données?